Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Unnatural Lovers. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en pleine forme, car j'ai une très bonne nouvelle. Ça y est, le printemps a bel et bien démarré. Et le bonheur du printemps, c'est la perspective de l'été qui arrive enfin. C'est l'une des quatre saisons de l'année dans les zones tempérées. C'est une période de changement, de renaissance, de renouveau de la nature. Elle se caractérise par un radoucissement progressif de la température. Toute la nature se réveille et se réjouit. Rien que de penser à tout cela nous apporte de la joie. Qui dit printemps, dit bonne humeur. Fini de s'enfermer à l'intérieur pour se protéger du froid. Si en hiver, la grisaille nous donnait envie de tirer la tête jusque par terre. Les fleurs qui bourgeonnent. La floraison des plantes. Les oiseaux qui chantent. Le soleil et le ciel bleu nous mettent en joie. C'est le réveil de certains animaux hibernants et le retour des animaux migrateurs. C'est également la saison des amours. Chez les animaux, par exemple, c'est la saison de reproduction. Et on se fait plaisir avec de délicieux fruits et légumes de saison. Car au printemps, la nature devient un festival de couleurs et de senteurs. Avec le printemps apparaissant, nous pouvons sentir les changements. Ils commencent dans l'environnement autour de nous et se répandent à notre propre corps et notre personnalité. D'abord, nous remarquons que les jours s'allongent, ensuite qu'ils se réchauffent. Adieu la déprime hivernale et les grises mines d'hiver. Laissons place à la bonne humeur et communiquons-la aux autres. Un certain nombre de recherches se sont déjà penchées sur le rapport entre la météo et notre humeur. Alors que ces changements dans notre environnement ont lieu, nous nous sentons mieux. Et pourquoi ces variations annuelles nous affectent de façon positive? C'est la question que nous nous posons tous. Le printemps est un activateur naturel de notre humeur. En plus de nous faire du bien au moral, le soleil renforce notre système immunitaire. Notre organisme sera donc mieux préparé pour se défendre en cas d'infection. Trois choses changent chez l'homme au printemps. Nous montrons une augmentation positive de l'humeur, de l'énergie et de la conscience de soi. Il semble que l'augmentation saisonnière de lumière et de température est une influence positive sur notre humeur. Qui dit printemps, dit également grand nettoyage. C'est le moment de sortir de nos cocons. Puis, il y a le changement des parfums dans l'air. Dehors, on sent l'odeur des fleurs, de la terre
et de l'herbe. Nous commençons à ouvrir les fenêtres pour laisser souffler un vent de fraîcheur dans nos maisons. Rien de tel pour se désencombrer l'esprit qu'un bon nettoyage de printemps. Aussi, au printemps, nous commençons à révolutionner notre garde-robe. Nous débarrassons de quelques couches de vêtements. Par conséquent, nous commençons à nous sentir plus libres dans nos vêtements, plus légers, plus souples et plus détendus. Nous avons tendance à porter des tissus qui sont moins denses et nous choisissons des couleurs du printemps qui apportent lumière et gaieté dans nos vêtements. Et tous ces changements ont un effet notable et positif sur notre humeur, notre conscience de soi et notre niveau d'énergie. C'est le moment de l'année aussi où beaucoup d'entre nous commencent à établir des objectifs. Encore plus important, nous devenons motivés à faire des changements. Nous pouvons faire du vélo, travailler dans le jardin, se promener ou faire le nettoyage du printemps. Nous commençons à faire plus d'exercices parce que nous voulons apparaître mieux et nous sentir bien. Nous pouvons même devenir plus sociaux, joindre un groupe ou assister à certaines activités locales. Le printemps augmente réellement notre capacité d'entreprendre. Considérez le nettoyage du printemps, par exemple. Quand nous commençons, nous ne voulons peut-être pas nettoyer cette pièce ou ce placard, mais nous le faisons de toute façon. Ensuite, nous nous sentons mieux pendant quelques jours parce que nous avons accompli une petite tâche. La lumière du jour commence à augmenter après le solstice d'hiver. Peu de temps après, beaucoup d'entre nous deviennent plus actifs. Comme les jours commencent à rallonger, nous ressentons plus de luminosité dans notre vie. Lorsque le monde commence à se réchauffer, les plantes et les animaux se réveillent de leur hibernation pour une nouvelle vie. Nous aussi, commençons à montrer une nouvelle vie et devenons plus actifs. Certes, les changements naturels du printemps améliorent notre humeur. Nous vivons cette expérience chaque année. Le renouvellement saisonnier joue un rôle important dans l'amélioration de notre santé mentale. Alors, profitons-en. J'ai quelques questions à vous poser. Vous pouvez me laisser des commentaires et cela me fera un grand plaisir de les lire et d'y répondre. Est-ce que le printemps vous fait du bien? Sentez-vous cette renaissance de la nature et de vos propres idées et envies? Êtes-vous plus motivé et prêt à faire des changements? Je vous remercie de votre écoute et prenez soin de vous et de votre vie. Et restez positif. Et se dire toujours que la nature nous a tout donné. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Je vous dis à très bientôt.
avec un océan d'amour. Au revoir.